Comment ils vont aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à la maison. Alors aujourd'hui, on va parler d'une espèce que j'ai depuis un peu plus d'un an, les Intelligamma lesueri, dragon d'eau australien. Donc, comme son nom l'indique, on les trouve surtout en Australie, tout ce qui est du côté de la côte est, cousin du Physignathus compinquincinus, dragon d'eau chinois. Là, donc ça fait un peu plus d'un an qu'on les a. Là, je sais pas si on verra sur la vidéo, il y a la femelle qui est juste là et le mâle qui est un peu plus en bas. La femelle, je l'avais pris chez Reptiling, je crois, et le mâle vient de la ferme tropicale. Il a bien rattrapé parce qu'il était vraiment petit par rapport à la femelle. Donc là, on est sur un terrain qui fait 2 mètres par 1,25 m de haut et 70 de profond. On a un grand bassin, il est un peu planté, on a donc un point chaud et un grand néon pour différencier le point chaud du point des UV. Que dire d'autre dessus? Il mange surtout, ça mange surtout des insectes, beaucoup d'insectes. Après, on a déjà essayé de donner des fruits mûrs et tout, mais ils mangent pas, ils en mangent pas, on n'a jamais, enfin jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. C'est une espèce qui est quand même assez sauvage, compliqué à apprivoiser. Après, bon, ils sont encore jeunes, on a encore du temps avant de les apprivoiser, mais c'est pas simple, hein. Ça reste quand même assez sauvage. On a aussi un grand bassin d'eau dedans. À la base, il y avait une cascade, mais la cascade, c'est à chaque fois un peu une galère, dans les fuites, des trucs. Faudra qu'on se remotive pour la remettre. Du coup, je vais vous montrer un peu plus le terrain en détail. On va faire 2-3 plans, c'est qu'on monte le terrain, ça vous verra à peu près comment c'est disposé. Après, on sortira, je vais essayer de les attraper, alors ça va être quelque chose. Les attraper, et puis pour vous les montrer un peu plus de près, qu'on voit à peu près un peu mieux la femelle. Papier, Donc, du coup, de montrer un peu mieux la femelle. Et le mâle, après là pour le moment on voit pas trop encore de différence, après on le verra plus, hein. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais les mâles sont vraiment plus rouges sur le dessous et tout. Là, là actuellement ça se voit pas parce qu'ils sont encore petits. Donc voilà la vue globale. Bon, il y a pas mal de reflets donc ça va pas être super chouette, mais bon. Là on a un bout de plusieurs potos, là. Le but c'est que ça colonise tout. Là j'en ai une, bon elle a pas bien survécu. On a le filo il tient bien, franchement ça fait plaisir. Là, hop, on voit la femelle. Tac. Donc là, comme je disais, là, il y a toute une rampe, là. Rampe néon. Là-bas, le point chauffant. Et le mâle, plus petit. Tac. On le voit, il est là-bas. Il essaie de se cacher. Il croit qu'on ne le voit pas. Donc voilà. Le bassin, comme je disais, là. Je sais pas quelle taille il fait, mais ça. Bien assez, quoi. Ils y vont souvent. Hein. On les voit souvent aller nager dedans et tout. C'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur, du terrain. On va partir à la chasse et essayer de les sortir pour vous les montrer un peu plus en détail, vous faire des petits plans dessus. Donc voilà, ça c'est le mâle. Bon là, il a des couleurs un peu plus foncées parce qu'il est un peu stressé. Là, comme ça, on peut pas vraiment voir le dimorphisme entre les mâles et les femelles pour le voir. On va t'embêter un petit peu, mon petit père. On le voit dessous. Je sais pas du tout si ça se voit à la caméra, mais là il est un peu plus rouge que la femelle. Je vous montrerai tout à l'heure sur la femelle. Je sais pas du tout ce que ça rendra en vidéo, mais voilà. Après, quand il va grandir, ça va vraiment vraiment se voir. Il sera vraiment beaucoup plus rouge. Il aura là les marques un peu plus prononcées. Donc voilà. Là, la bouche ouverte, il est pas content. On va peut-être voir ses petites dents. Il y a quand même des petites dents. Donc là, ils sont encore petits, mais une fois adulte, c'est une bête qui fait dans les 80-90. Ouais, 90 max avec la queue, bien évidemment. Donc voilà, super espèce à observer et qu'on voit pas forcément souvent. Donc voilà pour le mâle. On va vous montrer la femelle. Donc là, c'est la femelle un peu plus grosse, hein, elle est vraiment belle. Pareil, un peu plus foncée parce qu'elle est stressée. Mais ouais, vraiment une bonne tête, hein, c'est voilà. Et là, du coup, ce que je vous disais, là, je sais pas si on verra la différence, mais là, on est vraiment au blanc, il n'y a pas de pigmentation rouge ni rien sur le bas du ventre. Donc voilà.
Donc ça c'est la femelle, un peu plus grande du coup, qui vient, donc je disais, de reptilie. Donc ouais, franchement une espèce qu'on voit pas souvent et qui est vraiment belle et ouais, qui va quand même bien grandir. Hein. Sont ici, j'ai pratiquement que des bestioles qui vont devenir bien assez grandes. Donc voilà pour le petit plan. Mettre dans le terrain histoire d'arrêter de les stresser parce que le mâle est toujours la bouche ouverte, hein, il lâche rien lui. Donc voilà, on va remettre les deux loulous, tac, hop, allez, on est parti, tac, on est parti, hop, voilà. On fera un ou deux plans de coupe, c'est qu'on les verra dans le terrain. C'est qu'on verra peut-être mieux leur couleur plus claire et tout. On a dû les voir un petit peu tout à l'heure quand j'ai montré le terrain. Ils sont beaucoup plus clairs, hein, ils ne se sont pas stressés forcément. J'ai pas trop parlé du coup de leur production parce que c'est pas du tout d'actualité. Hein. Ils sont encore petits et donc ça viendra dans les années, hein. Bien sûr, c'est le but. Hein. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai parlé avec d'autres éleveurs, hein, c'est préconisé de faire une petite période d'hibernation. De 2-3 mois, genre novembre, janvier. Dans la nature, c'est des espèces qui vivent à des endroits où c'est que les températures peuvent descendre quand même assez bas. Ça peut même atteindre des fois les 0 degrés. Et je sais que dans la nature, de ce qu'il est dit, ils creusent des terriers pour justement éviter d'être exposés trop à ces températures basses. Donc voilà, une petite période d'hibernation. Après, les femelles pondent en général 6-10 œufs, c'est une moyenne, hein, ça dépend. C'est vrai que je les manipule pas souvent parce que bah ils sont quand même assez sauvages. Après, vous voyez, hein, une fois que je les ai en main, ils se calment et tout, mais voilà, pour les attraper, c'est pas simple, donc forcément, ça les stresse. Vous mettrez un ou deux plans de coupe où c'est qu'on les voit un peu mieux dans le terrain pour voir un peu mieux les couleurs claires. On doit les voir tout à l'heure quand je fais le plan sur le terrain, mais bon, forcément avec les reflets et tout, c'est pas simple. Donc voilà, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas en commentaire, je remets mon Insta dans la description. Putain, c'est fou. Mon grand français, ça donne mon Insta dans la description. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur l'espèce ou même sur les installations que j'ai et tout ça. De toute façon, sur mon Insta, vous verrez, il y a tout... toutes mes bêtes, toutes mes installations, vous verrez tout ça. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis bah, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !